Salut, salut, c'est les amis, c'est Enskill. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas mal. Je tenais à m'excuser pour le temps que j'ai mis à sortir la deuxième vidéo, mais en fait, je me suis rendu compte que le fichier que j'essayais d'envoyer sur YouTube était obsolète. Donc, du coup, il a fallu que je reprenne la partie pour m'en arrêter où on en était à l'épisode 1. Donc, c'est parti, on y va pour l'épisode 2. Ah, attendez, est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait? Charger partie, ok. Hop, allez go. Alors si je me souviens bien, dans l'épisode 1, on avait été chercher une carcasse pour notre véhicule et on était retourné à la base. Donc on va voir ce qu'il nous prévoit pour aujourd'hui. Installer des jantes. Ah, le toutou, il est toujours là. Cool ça. Il est trop mignon avec sa patte et tout. Bon, alors du coup, on va aller voir lui. Qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, faut que je t'aide à tout faire, quoi. Un harpon? Comment ça, un harpon? T'es sérieux? Tu vas nous fabriquer un harpon, mais on le mettre où? On va aller dans la mer et tout. La ferraille est nécessaire pour les améliorations du Magnum Opus et peut être récupérée partout dans les terres désolées. D'accord. Ok, bien reçu. Bon, alors. Là. Et là. Il nous manque la pointe. Quelle pointe? Elle est dans ta cachette. Quelle cachette, mec? Ah oui, d'accord, ok. Par contre, c'est vrai que je reviens quand même sur ce que je disais dans l'épisode 1, les graphismes sont purement... C'est une folie, quoi. C'est une folie. Ah bah voilà, c'est bien, ça. Allez go. Chut, 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 chut. Bon, par contre, c'est vrai qu'il court pas très très vite, hein, quand même, le garçon. C'est surtout ces petits sauts de tapette qui fait qu'ils me font rire, là. Ok. La catégorie harpon est indiquée dans l'objectif de mission. Allez-y maintenant pour installer le harpon basique. Max a récupéré la pointe et assez de ferraille pour installer le harpon basique. Bien, bah installe-le. 15 de ferraille, ça va. Installation réussie. Max a également assez de ferraille pour installer une calandre. Ah, pas mal. Ok. Allez, c'est parti. Nanana, nanana, voulez-vous acheter? Ah oui. Ah ouais, pas mal. Hop, ça fait un pare-bûche et tout. Ok, allez, on revient. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. Hmm. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right, let's do it. Allons-y. Ha ha ha. Allez, c'est parti, on prend la voiture avec la carrosserie. See those metal monsters? Scrotus war boys put them up to mark their turf. Utiliser la puissance de collision de la Magnus Opus pour détruire les épouvantails et réduire la menace de Scrotus dans la région. Scrotus, pardon. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que je fonce à fond sur ces trucs-là. Putain, elle est puissante, c'est vrai. Hein. Waouh. Ah, il y a du métal. 5, 4, d'accord. Je demande ce que c'est. Il y a un point vert là-bas, on va y aller. On va faire un peu de off-road, hein. On va pas se faire chier. Ah, la voiture détruit les pierres. Ok. Bien reçu. Another vulgar monument to the carnivores. Tear it down.
Allez, détruis-le. Alors, est-ce qu'il y a... Ah oui, hop, il y a de la ferraille. On va la récupérer. En gros, le mec, il est toujours en train de réparer ta caisse. Ça, par contre, c'est vrai que c'est stylé, parce que du coup... Bah, du coup, t'as toujours une voiture, à peu près. On va aller sur le point d'à côté, parce que je vois qu'il y a de la ferraille à récupérer. On va en profiter pour aller la récupérer. Ah, ça va se bastonner. Allez, viens là, toi. Oh, d'où tu me balances des cailloux, t'es sérieux, là? Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, t'as pas d'amis ou quoi? Ok, c'est tout? D'accord, c'est tout. Alors, ferraille. Une sur deux. Là, y a rien... Il y a un truc là. Ah, j'ai vu qu'il y avait un guignolo. Oh, mais c'est sérieux quoi. Bim! Allez, fais dodo. Bon, on a déjà fini ce point. Allez, c'est parti. On va aller vers l'objectif suivant. Il y a un point vert là-bas. La carte. Ah oui, c'est là. Ok. Allez, c'est parti. Même le au niveau de la conduite et tout, c'est quand même stylé, je trouve. Ils ont vraiment... Enfin, les développeurs ont vraiment fait... Je suis sûr qu'on peut sauter sur ce truc. Les développeurs ont vraiment fait un truc sympathique. Ah, le boulet. Pour ceux qui me suivent déjà sur Twitch, c'est vrai que... Vous avez l'habitude de me voir, de pas savoir conduire. Changer d'arme. Ah, le harpon. Le harpon est une arme puissante qui permet de renverser les structures comme les épouvantails. D'accord. B. Ok. Nickel. Oh, okay. Ah, j'ai cru qu'elle tombait pas. J'ai eu peur. Ok, bon bah allez, vas-y, c'est parti. Donc, je récapitule, on a installé un pare-buff sur notre véhicule et un harpon. Mais monte, sale voiture, là. Tube lance-flamme. Ooh. Sniper up front. Sniper. War crier. That's all. Un aboyeur. Le périmètre des camps est souvent protégé par diverses défenses. Lorsque vous approchez d'un camp, ces défenses passent en mode alerte. Bien. Si la jauge d'alerte est pleine, les défenses du camp passent en mode guerre. Ah, ça c'est pas bon ça. Et seront nettement plus dangereuses. D'accord. Ah, mais tu mets même la voiture à l'endroit, toi? C'est bien. En fait, t'es un homme à tout faire, quoi. Tu pourrais pas conduire la voiture aussi. Peut-être la moitié des choses, lui. En fait, elle dérape un peu, cette caisse, quand même. Un peu beaucoup, même. Oh, mais tu tires, toi, t'es sérieux? Oh! Waouh, la voiture elle fait du deux roues et tout. Non, t'as peut-être... Non, tu veux pas. Bah, on va se mettre en marche. Allez, fais deux. Bim. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Relique historique 1, emblème 3, ferraille 10. Bien moche toi avec ton truc. T'as rien d'autre à foutre que d'être là-haut avec des...
Si vous approchez trop près d'un aboyeur, il passera en mode alerte. Ouais, en fait, c'est parce que tu m'as dit juste avant, toi. Si la jauge d'alerte est pleine, le guerrier à proximité passeront en mode guerre. Ils seront plus dangereux. D'accord, donc en fait, tu me répètes ce que tu m'as dit avant. Ouais, vous êtes beaucoup, les gars. Je vais être obligé de vous éclater. Toi, tu fais dodo. Non, j'ai dit, tu fais dodo, toi. T'as pas compris. La moyenne fait passer. Oh putain, c'est en mode guerre, donc ça veut dire qu'ils sont plus durs. Faire attention. Ok. Éliminer l'aboyeur. Hein. Pour éliminer un aboyeur, détruisez le treuil à la base de sa grue. Et abattez-le au fusil. Ou abattez-le au fusil. Ah d'accord, ça se détruit comme ça, mais en fait c'est easy quoi. Bon. Allez, c'est parti. Tac, tac, là il y a de la ferraille. Trouvez ce qu'il reste de la voiture de Max. C'est mignon. Rotation. Légende. Max, tu nous manques, reviens vite. Ça veut dire quoi? C'est ma famille, ça? C'est ma femme et ma fille? Ça doit être ça. Bon, on verra peut-être au fur et à mesure. Maintenir pour ouvrir un coup de pied. Bien. Ok. Ok, alors toi, bouge pas, je m'occupe de toi. Oh, tu fais quoi? T'es sérieux? Je suis pas bon là, il se passe... Oh! Ok, tu fais dodo. Ok, toi aussi tu fais dodo. D'accord, le coup arrêté. Non! On va ramasser le couteau là. Il y a un couteau là. En plus, c'est sérieux là, il y a de la. Récupère. Une cartouche de fusil. C'est bon ça? Ouais, c'est ça. Oh, tempête de sable et tout. Ah, c'est stylé. Ça veut dire que ça change de conditions météorologiques. Ouais, ça, c'est bon. Emblème. Ah, ah. Détruisez tous les emblèmes de Scrotus pour remplir l'objectif facultatif du coup. Ça veut dire que j'ai peut-être plus de choses. Ah, il y a de l'eau. On va maintenir. On va mettre l'eau. On va éviter de sauter de trop haut quand même. Ah oui, d'accord, je me suis fait mal. Donc on va vraiment éviter de sauter de trop haut. Faire attention, les amis, je crois. Encore lui? Ah, je l'ai pas vu. Hop. Oh, on commence à avoir pas mal de ferraille, c'est bien ça. Ah, cartouche de fusil. Comment ça, la ceinture de munitions est pleine? Sérieux, là? Je peux emporter que 3? Non. Ça, c'est un peu bidon. J'espère qu'on va pouvoir... qu'on va pouvoir l'améliorer par la suite. Parce que c'est vrai que 3 cartouches de fusil, c'est pas énorme, quoi. Genre, comme t'as 15 ennemis... On va peut-être allumer la lampe, non? On va passer quoi?
Non, c'est pas ça que je voulais faire. Elle est où la lampe déjà? Ah, elle est là. Oh là là, c'est trop bien fait. Qu'est-ce que tu veux? Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, your mind, has soon commenced. Wow, il pleut, il y a de l'orage et tout, c'est horrible. Come find me when your spirit is ready. Spirit is ready. Ok, bien reçu. Allez, c'est parti. On va vers l'objectif. Il manque 4 métal et un emblème. Max accumule de la fureur quand il est engagé dans des combats au sol. Lorsqu'il a accumulé suffisamment de fureur, Max passe en mode fureur. Fait beaucoup fureur dans la même phrase. Et toutes ses attaques sont plus puissantes. Ah ça c'est bien. Max reste en mode fureur pendant un temps limité ou jusqu'à ce qu'il ait vaincu tous ses ennemis. Oh, fureur débloquée. Ça c'est pas mal. Allez. Pas ça le fureur. Ah, super parade. Ah oui, ça je crois que c'est la fureur. Oh. C'est sérieux. Mais c'est sérieux. Oh, il devient mais un surhomme le mec. Oh, punition. Aïe. Bon par contre faut faire gaffe parce que j'ai l'impression qu'il tape quand même assez fort les mecs. Ok, bon bah déjà je trouve que la fureur c'est pas mal. Alors là il y a un butin. Ah, là-bas il y a le troisième emblème à ce que je viens de voir. Détruisez les pompes à pétrole en les faisant sauter avec un jerrycan. D'accord, alors avant de faire ça, on va peut-être finir d'abord de voir si on trouve pas des trucs. Non. Parce que je crois qu'il y a des bonus quand on finit à 100% le site, si je ne me trompe pas. Parce que j'en ai vu. Ok, j'ai tous les emblèmes. Il manque 3 de métal. Enfin, 3 de ferraille, pardon. Là. Là, il y a une tyrolienne, mais... Ah non, en fait, ça nous fait revenir au début. On va éviter, on va peut-être finir l'objectif avant, ce serait pas mal. Allez, hop. Tchou. Ok. Oui, c'est beau, je vais la détruire, ta pompe à pétrole, détends-toi. C'est ça qu'il faut détruire. Ah ouais, c'est ça que la pompe à pétrole. Et... Bim. Ferraille 8 sur 10. Quoi, il m'en manque 2 encore. Elles sont où les autres ferrailles, là? Attendez. Où est-ce que je les ai loupés, les ferrailles? Par là, non. Par là, non. Par là, non. Par là, il n'y a rien non plus. C'est-à-dire quoi, que je les aurais loupés avant, peut-être? C'est bizarre. Et en face, là-bas? Ah, c'est de là où on vient. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Il nous manquera 2 de ferraille. Enflammé. Mais non, je me suis trompé de touche. Boulet. Vas-y, enflamme. Et boum. Oh, c'est joli. Nice. Démantelé. Nickel. Ah ouais, voilà, c'est ça, on l'a fini à 92%. Il nous manquait un de ferraille, quoi. Oh, la lose. Il faudra sûrement qu'on revienne pour chercher le dernier bout de métal. Ah, il est plus présent sur ce territoire. Bah tant pis pour lui. Allez, c'est parti. Ah non, j'ai cru qu'il était là, j'allais dire non, c'est sérieux. Ah oui, il te met la voiture à l'endroit et tout, c'est top.
Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors, old chum. C'est vrai qu'il est moche, Gollum, quand même. Parce que vous en pensez, les amis, mais... Moi, je le trouve moche. Allez, c'est parti, vas-y, roule, pépère. Ok, allez, faut qu'on aille là-haut. Pistolet de détresse. À quoi ça va bien pouvoir correspondre. Reste à la voiture, j'y vais seul. Bien reçu. Par contre, c'est vrai que le seul truc qui est un peu embêtant sur ce genre de jeu, je trouve, c'est d'avoir des longs textes comme là on a tout de suite. Et de devoir jouer en même temps. Donc quand on se bat et que des fois ça parle, c'est un petit peu galère quand même. Ah mais en fait c'est le mec avec son sac à dos là. Bah oui, c'est lui. Ah, te voilà. Vagabond des sables. Ils ont tous des têtes dans ce truc. But pain will come, much more pain. Before this purpose to you is made manifest, you know nothing of me. Même les sons sont bien faits sur jeu, c'est un peu fou quoi. A June after June of drifting, half forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to the end and go yourself. And lay bare your true promise. Oh là, m'a fait poil. Jetons de Griffith. Échanger des jetons avec Griffith pour augmenter la capacité de Max. Max dispose de plus de points de santé et peut encaisser plus de dégâts. Ça déjà c'est pas mal. Max restaure plus de santé avec la nourriture. Utilisez les jetons pour faire gagner un niveau de légende à Max. C'est quoi les niveaux de légende? Max récupère plus d'eau dans les sources d'eau. Max récupère plus de ferraille dans les butins. Ça c'est pas mal. Tiens, celui-là je vais le prendre. Max consomme moins de carburant, inflige plus de dégâts avec une arme corps à corps. Max peut rester plus longtemps en mode fureur, ça je prends. Atteignez un accord, Max récupère plus de munitions dans les butins. Peut utiliser plus longtemps une arme de corps à corps avant qu'elle ne se brise. Ok, on va prendre... Oh, puis là j'ai dit. Ok, confirmé. Max, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais le chien? T'es sérieux là? Allez, lève-toi. Retournez à la... Waouh, Magnum Opus. Magnum Opus. Griffa peut aider Max à améliorer ses capacités en échange de jetons de Griffa. Vous gagnez des jetons en terminant des défis. D'accord. Oh, il est sérieux là? Il est où avec ma caisse là? Non, il s'est naché avec ma caisse, le con. Pas possible. Ah oui, où est la voiture? Bah oui. Bah non, elle est pas là. Non. Alors toi, t'es intelligent. Envoyez un signal à Chum avec le pistolet de détresse. Ah, c'est sérieux? Ça veut dire quoi? Il va nous la ramener? Ah oui. Ça, c'est bien, ça. En fait, c'est un petit peu le... Un peu comme dans GTA, le... notre mécano qui nous ramène notre caisse. C'est bon, ça. Alors je sais pas où il faut qu'on y aille, mais on aille, mais on y va. Yes we do. We've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost.
Comment ça? Le menu garage est accessible à tout moment dans le menu pause. Ah oui. Il est temps de donner un coup de nitro à la Magnum Opus. Choisissez la catégorie nitro et installez la double nitro. Pourquoi double nitro? La menace étant réduite, Chum peut maintenant installer la double nitro avec la ferraille récupérée. D'accord. Allez, vas-y. Ça coûte 35. Oui, je vais l'acheter. Installation réussie. Yeah! Ça veut dire que maintenant on a la nitro. Notre dernier. Oh, yes. Nitro installed. Now, let's baptize her. Ah, faut l'inaugurer. Ça me va, moi. I know just the place. Essayez la nitro. Et bon, on va l'essayer cette nitro. Waouh. Nitro A. Ah, je crois que je l'ai pas fait correctement. Il aurait fallu que je le fasse plus sur le pont, je pense. Ah, bon, on va le refaire. C'est con qu'il n'y ait pas de frein à main, tu sais, tu tires des gros câbles et tout. Elle s'envole. Nice. Battez les guetteurs. Bon, on va aller les battre, c'est pas un problème, ça. Utilisez la nitro pour augmenter les dégâts de collision frontale. Ah oui, effectivement. Lui avec sa voiture là. Je vais te détruire, mec. Bim. Mission de l'histoire terminée. L'œuvre du juste. Le travail sur la Magnum Opus avance bien, mais il lui manque un cœur. Il lui faut un V8. D'accord, et où est-ce qu'on trouve un V8? Le menu des améliorations de Max est maintenant débloqué et disponible dans le menu pause. Il vous permet d'améliorer l'équipement et l'apparence de Max et d'acquérir de nouveaux outils et de nouvelles compétences pour le combat au sol. De nouvelles améliorations seront débloquées en fonction du rang de légende atteint par Max. Et ben voilà à quoi ça sert le rang de légende. Alors déjà, est-ce qu'on peut... Bienvenue dans le menu des améliorations de Max. Les améliorations de compétences sont débloquées quand le rang... Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Compétence. Ok. Concluez vos attaques enchaînées par une puissante finition. C'est un peu bizarre comme texte quand même. Hein. Parade des armes de corps à corps. Permet de parer les attaques des armes de corps à corps. Ok. Alors, moi je vais prendre ça déjà, c'est pas mal, je trouve. Ok. Ça coûtait combien le deuxième truc là? 50? J'en ai 200 et quelques, ça va, bah, on est large. Non, il y avait un autre truc. On peut changer sa veste là. Ah non, en fait elle est déjà installée. Si, nouveau. Voulez-vous acheter et utiliser? Non, tu gardes le blouson. Hein. Et on peut rien acheter d'autre là? Oh mince. J'aurais dû prendre un point de compétence pour que tu puisses avoir. Bon, c'est pas grave. On peut la prendre cette caisse là? Oh! Ah non, on peut pas la prendre. Hein. Vous savez quoi, on va la détruire. Harpon niveau 4 qui, d'accord. Mais attends, il a pas un... On peut pas le faire exploser par derrière? Non, on peut pas. Oh merde. Ah, j'ai chopé le mec, quel con. Oh, t'es où là? Donc on pourra tirer dans les roues. Ça c'est stylé. C'est stylé. Bon allez, on va aller à la suite de la...
Ah ouais, mais je suis un fou, hein. Le off-road, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Hop là, on est retourné à la base. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, encore ? With these hands and the blessings of the sacred Illinois, she's come to life. My sweet angel, come back. What did I tell you? Je t'avais demandé un V8, pas un V6. Exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief, a bona fide bad boy. Il est taré, ce mec. Il fait caguer un peu quand même. Pétroville. Oh oh. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Ah non. Waouh. Oh là là, c'est une tuerie. Oh là là, c'est magnifique. Go, 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 go. One, one. Ah, c'est vrai qu'il faut le niveau 4 pour ça. Oh non, ils ont détruit ma base. Oh là là, ils ont détruit notre base, comment on va faire? Waouh. Bon. Bah les amis, je crois qu'on a plus de base. Scorbut. Putain. C'est qui celui-là encore? Il y a Scrotus, Scorbut. Territoire de Jet. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive toi? T'as un problème ou quoi? Tapette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Donc déjà, il y a du la ferraille. Utilisez le ballon des postes d'observation pour marquer les endroits importants sur la carte et débloquer le déplacement rapide. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Ferraille 1 sur 2. Ah, là il y a un truc. Projet Blackout, phase 5, motoneige. On va pas crever comme tous les autres. Si quelqu'un s'approche de notre planque, je lui arrache personnellement chacun de ses membres. Sarah. Ah, Sarah, tu rigoles pas. Tu rigoles vraiment pas, Sarah. Non, métal. Ah, ça peut servir, ça, je pense. Je
pas à quoi ça peut servir, mais alors attendez, on va juste faire, hop, on le prendra, on le mettra dans la voiture, ça. Maintenir pour monter dans la montgolfière. Waouh. Ça monte jusqu'où ce truc? Waouh. Les gueules noires. D'accord. Ok, donc c'est là où je peux marquer les... D'accord, épouvantail fragile. Ah ouais, ok, on, en fait avec, avec ça on cherche tous les points pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir... Ah c'est bon ça. Ça c'est un bon truc les amis, je trouve. Ok, d'accord, donc on est apparemment dans une nouvelle... ouais, c'est ça. Ok, désert blanc. Alors, par contre, faut pas être pressé, hein. Ah. Il faut vraiment, vraiment pas être pressé. La 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 la. Hop là. Et quitter le ballon. Alors normalement, voilà, j'avais pris mon bidon Mujirican d'essence. Je sais pas si j'en avais encore dans la voiture, donc du coup, je préférais le prendre. On va en profiter pour aller détruire le truc qui est là-haut. Maintenir pour stocker le jerrycan. On va juste aller détruire les, la voiture de là-haut pour éviter qu'elle nous attaque, cette connasse. Toi tu dégages. Allez c'est parti. Ok. Ah j'ai détruit tous les épouvantails. Non pas tous. Écraseur niveau 7. C'est con qu'on puisse pas prendre les bagnoles des autres mecs. Je pense qu'après on pourra les prendre. Toi tu vas mourir. Voilà. Par contre il devait y avoir une mer ici avant parce qu'il y a plein de bateaux, de trucs comme ça. Ah d'accord, une décharge, tout ça pour ça quoi. Ok, allez hop, c'est parti. On récupère la voiture. Hop. Hop. Allez, go les amis. Hop, allez. Ouh, un petit recours d'air chez moi là. Un peu frais. Ouvrez la carte pour localiser la forteresse de Jet. Ah mais elle est super loin en fait. C'est un truc de ouf. Allez hop, on détruit ça. Oh j'adore quand elle se met sur deux roues comme ça les amis, c'est stylé quoi. La voiture elle se met en mode deux roues, elle te détruit la tour. Ok, allez, c'est parti. Du coup, je fais un peu les missions annexes aussi, là, du... ah, il y a de l'eau et tout à gauche, là. Les missions annexes, comme ça, ça permet de bah, récupérer de la ferraille et tout. Pas mal. Ah si, il y a des mecs, j'allais dire, il y a personne.
Wouah! C'était stylé ça! Ah, je crois que je suis en mode fureur. Ah oui! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux toi? Je te défonce! Et on fait quoi? On le garde ça? Ok, bon, on va le garder. Y a pas de l'eau par là? Non, bon. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 3 de ferraille. Nice, déjà il y en a un là. Ok, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, là il y a rien. Là il y a un jerrycan. Attends, on peut le lancer, on va tester. C'est un peu lourd pour toi mon lapin. Nice. Bon apparemment l'arme on peut pas la garder parce que regardez elle est... Dommage. Je crois que j'ai vu le truc d'eau. Voilà le truc d'eau il est là. On va finir ça pour se recharger la vie. Ok. Allez vas-y tu remplis ta gourde là. Oh les bruits et tout. Gluc 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 gluc. Ok. Je crois qu'il nous manque un de ferraille, non? Ouais, c'est ça. Un de ferraille. Où est-ce qu'il peut être? Je sais pas pourquoi, je sens qu'il est là-haut. C'est obligé. Oui, je vais y aller à la forteresse de Jed, détends-toi là. Ah bah voilà. Mais non, mais qu'est-ce qui était con. Allez. Décharge explorée à 100%. Oula, oula. Oh. Merci, je croyais que t'allais tomber quoi. Hop là, bon. Vie pleine, gourde pleine, voiture. Il a dû avoir le temps de la réparer. Par contre, au début, j'arrêtais pas de me mettre à gauche quoi. De la voiture, c'est vrai que c'est une conduite à droite. Est-ce que ça passe à votre avis? Bah oui, ça passe, easy. Attendez, regardez, on va essayer un truc de ouf. On va essayer quelque chose. On arrive comme un connard. Ah oui, ça marche. Haha. Perhaps these nimble black fingers are skilled in such metallurgy. Allez, hop. On est presque à 300. C'est pas mal. Oh, attendez. On va peut-être aller faire ce qui est là, là il est à côté. Chien de la route. Mais d'où tu me balances un caillou, t'es sérieux poteau? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, c'était beau ça. Oh putain, ce sketch. Alors, là. Genre ils ont des enjoliveurs et tout. Ok, il m'en manque un. Là-haut sûrement. Décharge explorée à 100%. Bien reçu. Encore, il y a
vraiment rien d'autre, quoi, comme ça. Oula, c'est peut-être un peu haut. Aïe. Ah non, ça va. Qu'est-ce que c'est que ce truc à côté, là? Ce que je vais faire, c'est que là, ça fait déjà 45 minutes de vidéo. Du coup, je vais aller juste à ce point-là pour voir ce qu'il raconte. Et ensuite, on ira à la base de Jet et on clôturera l'épisode 2 à la base de Jet. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, mais il va me donner une mission, je suis sûr, non? Ouais, on va voir. We've heard of your doings, walking man. So hear me. Down there is the dredges. Lord Scrotus Mans. Controls the bridges, road, and even a bunker. Good way to ruin that undead. Mais c'est Nana? Day would be to rid us all of the tanks there. Bring them down with a lever like. Stop all gas down traffic around here. Watch the containers for other ways in. Ok, bien reçu. Détruisez les réservoirs suspendus pour pourrir la vie de Scrotus. Les deux parties du camp sont reliées par un bunker sous la route et ne peuvent pas pénétrer. Info supplémentaire, réservoir de carburant au sous-sol. Sous-sol infesté de rats, d'accord, possibilité d'une meilleure approche par le sud. Ok. Alors, on la fera, bah, on la fera à l'épisode 3, cette mission. Là, on va les rejoindre donc, la base de Jet pour clôturer cet épisode 2. Du coup, bah, il durera largement plus que le premier. Ah, ça c'est le sniper. Oh merde, c'est pas ça que je veux. Ok, et toi tu fais dodo. Attendez, je vais essayer un truc stylé. Attention, attention, attention. Ah oui. Bon, on verra plus tard. Dodo. Oh là là, quand on lâche le truc, il gicle et tout, le mec. C'est vraiment trop bien fait, quoi. Oh merde. Bon, on verra plus tard cette tour, de toute façon. Ah non, mais attends, c'est... Hop, la route, elle est là. Un peu abusé, je crois. Voilà. En fait, faut les faire en mode stylé. Tu les détruis, tu vois, comme ça. L'avantage, c'est que avec le harpon, ça fait, vous voyez, ce petit ralenti qui est plutôt pas mal. Et qui vous permet, du coup, de... Qui vous permet, du coup, de... Bah, d'être un peu en slow motion. Allez, roule, espèce de voiture. C'est vrai qu'avec un V8... Mais là, pour un V6, déjà, je trouve que ça se traîne un peu l'oignon. Please, we aimed to end to the dead barons, and all my gear, it was destroyed.
infidel scavengers! And we need to heal this machine! If you let us work here, why with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a... Putain, le mec, il a des pics dans le crâne, dans le front, quoi. Ah, praise be the prophet! Let him inside. Laissez-les entrer. Ouais, elle est gentille. En fait, c'est un château avec un pont-levis, quoi. Waouh, la classe. Jest Fortress. Et bien voilà les amis pour cet épisode numéro 2 qui aura effectivement le premier épisode durait 30 minutes, celui-là 51 minutes, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si on a trop avancé dans la mission, enfin dans l'histoire, mais bon, pour l'instant c'est vrai que le jeu est toujours aussi bien. En ce qui concerne l'épisode 3, j'aurais peut-être pas remis ma webcam encore, mais ne vous inquiétez pas, je pense que pour l'épisode 4, je vous mettrai ma webcam peut-être en haut à droite de l'écran. Vu qu'il y a des éléments assez importants, donc on verra tout ça. Bon bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si ça vous a plu, laissez des commentaires, et je réponds presque à tous les commentaires. Je vous remercie les amis, allez, peace.